Et du côté du téléphone, toujours, nous allons cette fois-ci parler à Serge Larrault, qui est commissaire aux personnes en situation d'itinérance de la ville de Montréal. Bon après-midi, Monsieur Larrault. Bonjour. Comment ça va, Monsieur Larrault? Écoutez, ça va bien, merci vous-même. Oui, ça va très bien, mais même quand ça va mal, ça va toujours bien pour moi. J'ai le goût de vous poser la question, Monsieur Larrault, qu'est-ce que vous faisiez avant d'occuper cette fonction-là? Alors, écoutez, moi, ça fait 30 ans que j'œuvre en itinérance. J'ai dirigé le journal L'Itinéraire. Ah, OK. De 94 à 2014, donc pendant 20 ans, et j'ai été président du réseau international des journaux de rue qui est basé à Glasgow, en Écosse. Alors, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, en Amérique latine, en Australie, en Europe, pour voir un peu comment on aide les sans-abri un peu partout dans le monde. Et en 2016, lorsque la ville a créé le poste de commissaire aux personnes en situation d'itinérance, eh bien, j'ai décidé d'aller travailler de ce côté-là, un rôle qui consiste à conseiller l'administration publique pour les grandes décisions là, concernant l'implication de la ville en itinérance. Et puis, c'est pas déprimant du tout, du tout, du tout. Faut pas déprimer. C'est certain qu'en 30 ans, j'ai vu l'itinérance augmenter, j'ai vu les enjeux liés aux drogues dures être de plus en plus grave. Vous savez, les drogues aujourd'hui dans la rue sont très, très dangereuses. Le nombre de personnes augmente, mais ce qui me retient depuis 30 ans, c'est chaque vie qui sont sauvées jour après jour, dans tous les refuges, dans tous les organismes, on sauve des vies. Et c'est ce qui doit nous maintenir et nous encourager. Et même si parfois ça semble décourageant, faut quand même regarder qu'on a beaucoup évolué. Il reste encore du travail à faire. C'est possible de réduire l'itinérance, d'améliorer les conditions. Et c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui dans une lettre ouverte où je demande au palier de gouvernement supérieur d'aider les villes à vaincre l'itinérance. Et ça, là, Monsieur Larrault, c'est une action politique que vous avez faite, là. En général, parce que moi, j'ai un titre dans un des journaux, je pense, La Presse, oui, où on dit déclenchement de mesures d'urgence. Montréal considère le débordement des refuges comme un sinistre. Et généralement, on va voir, ces actions-là de la part de la ville dans des périodes de temps froid. Très froid. Et là, dans les prochains jours, heureusement, on ne prédit pas de temps très froid. Mais par contre, il y a un budget à venir. Et votre action, c'est de tirer la sonnette d'alarme et de dire à nos dirigeants qu'il faut voir, cette situation de personnes en situation d'itinérance comme un problème de santé publique extrêmement grave, c'est ça? Exactement. Écoutez, c'est certain que pour la ville de Montréal, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et les élus responsables portent les messages de demande et de revendication politique. Moi, à titre de commissaire, je prends acte des faits, j'analyse les situations et effectivement, on a augmenté de beaucoup le nombre de lits à Montréal depuis la pandémie, hein. Les refuges avant la pandémie, c'était environ 900 lits à Montréal. Aujourd'hui, on en compte plus de 1 600, mais ils débordent encore. La pauvreté augmente. On sent aussi qu'il y a de plus en plus de migrants qui se retrouvent dans les refuges. Donc, faut pas s'arrêter là. Faut continuer de développer de l'hébergement d'urgence. Il est temps d'agir et d'accélérer. Il ne faut pas seulement faire des refuges. Les refuges sont là pour stabiliser des personnes en crise, mais surtout, s'il n'y a pas de logement social pour sortir les personnes des refuges, eh bien, on va être condamné à voir le nombre de lits en refuge augmenter sans cesse. Je relevais qu'à Toronto, ils sont rendus à 9 000 lits d'hébergement d'urgence. C'est pas ça qu'on veut à Montréal. On a besoin de logements sociaux. On a besoin de refuges, on a besoin de services en santé mentale et dépendance. Et effectivement, c'est un appel au gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada d'aider les villes. Les villes, on est là pour aider dans l'espace public, pour soutenir les gens, mais les gens ont besoin de soins et ils ont besoin de logements.
Donc, on demande effectivement au gouvernement du Québec, à la veille du prochain budget, d'annoncer des mesures radicales, des mesures importantes pour accélérer la cadence de construction de logements sociaux. Et c'est l'aide d'où qu'elle vienne? On nous dit, j'ai parlé à un organisme, je pense hier, qui nous rappelle effectivement qu'il y a dans les coffres du gouvernement du Québec des fonds fédéraux destinés à la construction de logements sociaux, mais qui ne peuvent pas être utilisés dans ces circonstances parce qu'on n'a pas de programme qui soutienne la construction de logements sociaux dans, une explication à dormir debout, alors que ce que vous demandez là, dans le fond, c'est des logements sociaux, c'est ça? Effectivement, et comme vous le dites, les programmes du gouvernement du Québec à l'heure actuelle sont compliqués. C'est très, très difficile de s'y retrouver. Donc, il faut également simplifier les programmes. Il faut appuyer sur l'accélérateur, je cesse de le répéter. Il y a effectivement de l'argent dans les coffres du gouvernement du Québec. Il faut simplifier la tâche aux organismes qui veulent démarrer des projets en logements sociaux pour vraiment tout mettre en œuvre pour qu'il y ait de nouveaux logements accessibles, supervisés, avec du soutien communautaire. C'est urgent. Plus on attend, plus il y aura de personnes dans la rue, plus il y aura de gens en crise. Et Montréal, mais également les autres villes du Québec, ont vraiment besoin de cette aide-là. Monsieur Larouau, il y a le fait, par exemple, qu'il y a des logements sociaux qui tombe en ruine littéralement et malheureusement, on regarde du côté de nouvelles constructions alors qu'il en coûterait beaucoup moins pour rénover ces logements-là. Et qu'est-ce qu'il faut en dire de tout ce type de comportement inadéquat-là? C'est une bonne remarque. Écoutez, dans une stratégie de développement du logement, puis moi j'invite à une stratégie là, importante pour les 10 prochaines années. Il faut non seulement effectivement construire de nouveaux logements, mais il ne faut pas perdre ce qu'on a. On a un parc locatif de logements sociaux très, très vieillissant, des logements qui ont été construits souvent il y a 35, 40 ans et qui demandent également à être rénovés. Il y a des centaines d'appartements qui sont vides actuellement et qui pourraient être occupés. Alors oui, dans une stratégie ambitieuse de logements sociaux, il faut intégrer la restauration et le maintien du parc de logements que nous avons actuellement. Dernière question, Monsieur le commissaire. Quand on parle d'itinérance, il y a tout de suite aussi le problème de santé mentale qu'il faut regarder. C'est un tout, n'est-ce pas, qu'on doit avoir. C'est un programme qui doit être plus complet en prenant aussi les considérations de santé mentale. Est-ce qu'on en fait suffisamment pour ces gens qui sont en situation d'itinérance par rapport aux problèmes de santé mentale? Bien, je vous dirais qu'accéder à des services de santé mentale, il y a eu beaucoup de couverture média là-dessus. Pour le commun des mortels, c'est difficile. Quand vous êtes une personne instable, vous êtes dans la rue, vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de téléphone, c'est encore plus difficile. Il y a un travail extraordinaire qui se fait sur le terrain par les équipes du réseau de la santé, mais ces équipes-là ne sont pas assez importantes. Souvent, les directions santé mentale et dépendance dans le réseau de la santé sont des services qui sont sous-financés par rapport aux besoins. Donc, également, et je pense aussi aux refuges qui accueillent énormément de ces personnes-là qui vivent des troubles de santé mentale, dépendance, il faudrait des intervenants de la santé dans ces refuges-là. Il faut des intervenants dans la rue pour aider ces personnes-là. Donc, oui, il manque de services en santé mentale et dépendance. Et encore une fois, c'est pour le bien commun, pour l'ensemble de la population, il faut offrir des services à ces personnes-là qui sont très défavorisées. Serge Larouau, commissaire aux personnes en situation d'itinérance de la ville de Montréal, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi. Et puis, bonne chance à nous tous, parce que il faut qu'on mette la main à la pâte, tout le monde ensemble, pas vrai? Faut garder espoir. Merci, bonne fin de journée. À vous aussi, Monsieur Larouau. Au revoir.